Ouais, on arrive, ouais. C'est vrai que c'était long quand même, hein. 27 jours, je crois, là. Enfin, on s'attendait pas à avoir un truc aussi long, aussi difficile, de voir autant de monde à l'arrivée. Désolé, on a un peu traîné en route là et on aurait pu faire mieux, arriver au coucher du soleil avec encore plus de monde, mais bah, ouais, c'est super de voir autant de monde. Ouais, c'est impressionnant. Merci. C'est... Bah, ça fait quelque chose, on arrive les premiers, on a un peu l'impression d'être des explorateurs et puis en fait il y a déjà plein de monde à l'arrivée, donc c'est génial. Pas trop fatigué, non, on a réussi à dormir parce que le vent était correct aujourd'hui. Bah, l'association, je crois qu'il y en a qui vont nous dire qu'ils sont contents là, parce qu'il y a la famille d'accueil de la petite fille qui s'est fait opérer là, qui sont là, Joël et qui nous a bien soutenus pendant la course. Donc c'est vrai que mes deux sponsors sont là ici. Ah, il y a le deuxième petit chausson. Il est à bord l'autre. Donc il y a les deux sponsors qui sont là, il y a Edouard, il y a Franck. Donc bah, merci à eux parce que c'est grâce à eux qu'on a pu faire cette course et qu'on peut faire la suite du programme et que Adrien a pu naviguer avec moi et qu'on a pu s'éclater et arriver en premier au Mexique. Donc voilà, merci quoi. Ah bah une grande première, c'est ma première victoire en transat, hein, je sais pas toi mais toi aussi. Donc ouais, c'est sûr que c'est une belle émotion, puis de la faire avec un pote c'est sympa sur ce bateau, c'est génial quoi. Puis d'arriver au Mexique dans un nouveau pays. Il n'y a pas de meilleur moyen de voyager, donc en plus on fait une course et on gagne, donc il n'y a rien à redire.